était une fois dans une forêt des plus enchantées et mal dessinées, une petite une jeune biche nouvellement née, prénommée Goldie. Jamais un tel événement n'avait eu lieu dans cette forêt depuis le printemps dernier. Tous les petits animaux qui n'avaient pas d'emploi étaient venus assister à ce merveilleux moment. Et est-ce que quelqu'un pourrait baisser cette musique ? Les mecs, elle est réveillée. Oh, c'est pourquoi ? Ça a déjà commencé ? Ah, mais poussez-vous, on voit rien. Je ne suis pas dans le bon animé. Oh, silence ! C'est censé être un moment émouvant. Fermez-la ! Il y en a ras le moustier ! Je vais voir ! Ah non, pas encore toi ! Il y en a marre ! C'est toujours les petits mammifères qui ont les seconds rôles. C'est de la discrimination, mon bon monsieur. Bon, si c'est comme ça, j'y vais. Hey, moi aussi, je veux y aller. Je ne peux pas bouger. Oui. La tension montait ainsi parmi les habitants de la forêt, qui n'en pouvaient plus de découvrir la nouvelle la jeune nouveau-née. Ah, et l'ours faisait des trucs chelous avec le miel. Mais, tout à coup, un hourra résonna à travers le bois. Hourra ! Comment est-elle ? Est-ce qu'elle a un nom ? Est-ce que c'est vraiment une femelle pour pas qu'on accuse de plagiat envers Bambi ? Oh 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 ! Allez-y, portez-lui mes meilleurs vœux ! Ah, ils sont déjà partis. Alors, comment qu'elle s'appelle ? Goldie. Et c'est ainsi que Goldie vit le jour dans la forêt enchantée. Ah oui, non, c'est vrai, le scénario. Attendez que je m'y retrouve dans mes pages. Ah, voilà, c'est ça. Très vite, Goldie apprit à courir et à sauter. Nic-nac, le petit écureuil devint son meilleur ami. Et la suivait partout. De la discrimination. Il jouait à galoper toute la journée avec elle, en lui montrant tous les recoins de la forêt. Ah, et l'ours faisait toujours des choses qui n'étaient pas permises de dire avec ce miel. Tout le monde adorait Goldie, qui vivait dans le meilleur des mondes, dans la joie et la bonne humeur. Ce jusqu'au jour où l'arbre fait une annonce prophétique des plus terrifiantes. Oh ! Écoutez-moi, ville habitant de la forêt, notre paix est menacée ! J'ai eu... une vision! J'ai vu notre futur! Les hommes sont arrivés et ont capturé nos amis grâce à leurs bâtons de feu et leurs meutes de chiens féroces! Et je suis toujours tout seul, personne ne m'écoute! Bande de glands! Eh oui! Car Goldie était en ce moment-là en train de jouer avec les autres animaux de la forêt de Tchernobyl, dans la petite clairière bien loin de là. Oh, je suis tombée dans l'eau. Mais l'eau n'est pas si profonde, tu peux tenir debout, regarde. Effectivement, quand Goldie arrêta de se débattre, elle fit qu'elle avait pied et elle bondit hors de l'eau. Nic-nac, Goldie, le serpent sorti de nulle part et même l'abeille, se tordait ainsi de rire sans s'arrêter et dans la plus grande insouciance et le meilleur des actignes. Sauf que pendant ce temps-là, la prophétie du vieil arbre s'était réalisée et la mère de Goldie s'était fait capturer. J'en fais pas trop, ça va? C'est bizarre, je ne vois personne. Où est-ce qu'elle est? Mais que s'est-il passé? Maman? Maman! Goldie et Knick-Knack la cherchèrent ainsi en vain jusqu'à la tombée de la nuit.
Mais personne, non, personne ne peut les aider ou les renseigner. La mère de Goldie avait bel et bien disparu. Les minutes se transformèrent en heures, les heures se transformèrent en journées, et les journées se transformèrent en désespoir. Partant à sa recherche, nos deux héros traversèrent monts et montagnes et toundra enneigée, jusqu'à finalement arriver au ravin. Goldie, le ravin! Écoute, Goldie, je peux vous aider. Tu peux encore sauver ta mère. Pompon! Il n'est jamais trop tard, Goldie. Lève-toi et saute! Depuis le temps que je vous attendais. Monsieur l'arbre Mojo, pardonnez notre incroyance, nous aurions dû vous écouter. Je vous en prie, dites-moi où est maman. Elle se trouve là où aucun animal n'est jamais revenu. Le zoo. Le zoo? Mais comment t'as... Oui, le zoo. Cet endroit des âmes damnées, où les animaux sont mis en cage comme des animaux. Mais oui donc, ce maléfique zoo? Je n'en ai aucune idée! Je ne peux vraiment pas me déplacer. 6 mois après ces événements, un bon jour de printemps, alors qu'il se promenait, un petit ours pris de nostalgie retourna dans sa natale forêt enchantée. Il était venu y trouver un peu de repos après avoir traversé de nombreux films tout aussi calamiteux que celui-ci. Mais à peine arrivé, ce dernier fut cependant bien étonné quand il vit toute la tristesse qui régnait dans ce lieu. Mais qu'avait-il bien pu arriver à la forêt de sa jeunesse qui n'était que gaieté et guimauve? Après avoir passé le bonjour à son cousin Fred, t'es toujours aussi taré, Fred! Il alla rendre visite à son vieil ami, l'arbre Mojo. Hé, hey, vieille souche, il s'est passé quoi ici, yo? Tu t'es cassé une branche ou quoi, frère? Chut! Et un peu de respect! On ne parle plus comme ça ici, vieux fou! Hey, wesh, qu'est-ce qui se passe? Tu me l'as fait à l'envers ou quoi? Ça a pas l'air d'aller ici, je te le dis, frère, j'en sens une mauvaise vibes. Ça me met pas dans le mood, bro, y'a de quoi casser 3 glands à un peuplier, là! Oh! Tout est arrivé il y a plusieurs mois. Nous étions encore gais et heureux. Jusqu'à cet horrible événement. As-tu déjà entendu parler de l'histoire tragique de Goldie? Commençant par l'origine des peupliers, l'arbre raconta alors la triste histoire de Goldie et de sa maman que l'ours écouta avec la plus grande attention. Ah ouais, pas cool bro, mais wesh la me biche, elle a pas un signe ou quoi qu'on puisse la reconnaître? Genre, je sais pas, une coupe de cheveux, une marque, un tatouage, une ressemblance avec Patrick Sébastien, un parti politique? Oui, elle a une tache blanche sur la patte avant droite, ça ne se voit pas souvent. Ah mais je l'ai vue! Tu as vu la maman de Goldie? Elle est vivante! Elle est vivante! Elle est vivante! Tu entends ça l'oiseau? Elle est vivante! Elle est vivante! Et la maman de Goldie est vivante! Mais sa racine, vous sortez d'où? Où est-elle? Réponds-moi, vieil ours! Je l'ai vue au zoo! Non mais ça, on le sait depuis 6 mois! Mais lequel? Lequel? Au zoo de Vincennes! Partout tes carottes. Ils l'ont sûrement mise avec les gorilles et... Il n'y a donc pas une minute à perdre! Allons tous à Paris! Remplis de détermination, les animaux décidèrent alors de partir à l'aventure, libérer la mère de Goldie, ainsi que tous les autres cervidés emprisonnés dans le terrible zoo de Vincennes. Enfin, sauf l'arbre qui ne pouvait pas bouger. Affrontant Bouchon et Périphérique sursargé avec ses éternels travaux qui ne finissent jamais par... Ainsi que moult klaxons et insultes, ils arrivèrent finalement à destination.
apercevant au loin le grand et majestueux rocher en ciment du Jau. Oh non, il y a une clôture. On pourra jamais passer par-dessus. Bon bah, tant pis. Attendez, j'ai une idée. On peut peut-être passer par... en dessous. Passer sous la clôture, mais comment? Non mais t'es au courant que t'es littéralement une taupe? Dès que la nuit tomba et que les hommes furent partis du parking facturé à 15 euros les 4 heures, les animaux se mirent à la tâche. Il n'y avait pas une minute à perdre. Le temps pressait, car les animaux étaient empaquetés les uns sur les autres dans une toute petite Ah, et non, en fait, ça va. Ils ont de la place. Enfin, je veux dire, ils avaient tous l'air malades, ces pauvres malheureux. Ils n'avaient pas une minute à perdre. Maman... Maman... Goldie... Bon, sinon, ils sont creusés. Mais que font-ils? Tu n'entends pas? Ils sont en train de creuser sous la clôture. Qu'est-ce que tu fous? Je mangeais les haricots. Mais qu'est-ce que... Je croyais que vous faisiez un trou sous la clôture. Pourquoi il y en a plein qui la rongent? Finalement, après des heures à mâcher des barres de fer sans succès, les animaux revinrent à eux et décidèrent bel et bien d'appliquer le plan original et de creuser un trou sous la clôture. Je pense qu'on est bon là. Tous les cervidés emprisonnés sortirent ainsi finalement du trou creusé sous la clôture et rentrèrent joyeusement chez eux dans la plus merveilleuse des forêts enchantées, dans la joie et la bonne humeur. Ils se rassemblèrent sous le vieil arbre pour fêter cela. Enfin, après de nombreuses semaines et de longs mois, on entendit enfin à nouveau les rires résonner dans la forêt enchantée. Sacré Goldie. Et les rayons du soleil se remirent à jouer joyeusement entre les branches des arbres et des buissons. The end. Attendez. Mais au fait, pourquoi on n'a pas sauvé les autres animaux aussi? C'était The End. Je veux rentrer chez moi, moi. Ras le bol, rien à foutre. Allez hop, cache-toi. Moi je me cache. Il est où mon chèque, Rack?